Hamotatu, I just had to Hamotatu, Menaway. Homo to Hamotai, Fanora for Mahu, now you know, Disagon, Sasagon, Yabrawahau, he ought to with Prophet Omono to take up Uwar Otaria, Etite Proporuno, Mitrahotita Matu, Mitrefaro, Toyana Proporuna, Ereha, Yahiatana Putemuniana Bora, Watanoto, Traipoto tomorrow, Yaran Emma, whatever Putemuni, Tiraya Perua, Maru Mate Totato Faraday, I tell Mana. Na outro ya roki na mau he mata jimene na mene ya himene ho o tau himene ho roki tan aru ta to faro mai te tumu no me te vera ti te ta pro pe fai ne ye roki te mo manare mene ta ta tumu mane ni horo na le na ke fai te mai ta tu le na yaurana yaurana Mario et je prends ton papier parce que j'ai oublié le mien évidemment. C'est la première fois que ça arrive. C'est la veille des vacances, c'est pour ça. Donc ce jeudi 13 juin, nous serons avec André Tahimanar. Il sera accompagné tout à l'heure d'Alexandre Hanere pour vous inviter au Festival international de ukulélé. Ça se passera à Mo'orea. On aura aussi les dernières candidates à l'élection Miss Tahiti, hein, rappelez-vous. Tout au long de la semaine, on en a eu. Aujourd'hui, on aura Tahia Pavaou, qui est la candidate numéro 6. Herehia Miria, la candidate numéro 9. Et Hinarere Papara, la candidate numéro 10. Elles seront toutes les trois accompagnées de Heyari Robson, qui est le directeur artistique de Miss Tahiti. Nous aurons pour les informations tout à l'heure Chiquita Teiva Darouzès. Et puis Vanessa Temataru était déjà venue sur notre plateau pour nous inviter à la première édition du Tahiti Barbecue Contest. Et bien là, c'est reparti pour un tour, sauf qu'ils partent aux îles sous le vent. Antoine Roua vient nous inviter à la deuxième édition du Raid Anani. Ce sera bientôt, à la fin du mois exactement. Et puis Rocky Gobré est notre premier invité. Avec lui, on va parler de son nouveau show, nouveau rendez-vous. Ça s'appelle le show Las Vegas et ce sera la 18e fois qu'il sera en concert au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. On aura en plus une petite prestation avant qu'il prenne le bateau, parce que ce week-end, il sera à Mo'orea. Moi, je te ne louperai pas. Je t'attendrai au marché. Rocky, ça va? Comment se porte Rocky après toutes ces rendez-vous, ces concerts? Tu n'arrêtes pas, en fait? Oui, non, je suis en pleine forme. Jamais été aussi en forme de ma vie. Hein. Je suis puis vraiment plus, bien. Puis en plus, il y a bébé qui est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai ma petite Grace qui est arrivée. C'est que du bonheur. Je l'embrasse bien fort, d'ailleurs. On t'a le temps de dormir quand même un bien petit sûr, peu pour te préparer. Bien sûr. Donc là, on parle de deux rendez-vous. Tout à l'heure, tu vas prendre le bateau et tu vas être sur Mo'orea pour un concert ce soir, demain soir. Et samedi soir. Et samedi soir. Et dimanche, tu reviens pour fêter la fête des pères. Et je suis moi-même papa. Hein. Alors, je vais fêter moi-même ma fête des pères en chantant. Voilà. Mais à la presqu'île. Hein. À la presqu'île. Ouais. Ce sera où, la presqu'île? Au restaurant Tomatei. D'accord. Et en revanche, le grand rendez-vous, c'est le show Las Vegas. Qu'est-ce que c'est que ce show? Alors voilà, je me suis dit, pourquoi pas? J'aime beaucoup Las Vegas. Je me suis dit que j'allais reprendre tous ces crooners, ces grands crooners qui sont passés à Las Vegas, tels que Tom Jones, Engelbert et bien d'autres encore, Frank Sinatra. Je me suis dit, allez, je vais les rendre un petit hommage. C'est pour ça que j'ai mis de Las Vegas Show. Alors, ça a été toute une préparation parce qu'il y a de nouveaux morceaux. Quand je dis de nouveaux morceaux, c'est toujours des vieilles chansons, mais que je n'ai jamais fait en public et en live. Et c'est beaucoup de travail. Et puis j'ai hâte, hein, parce que le concert se prépare vraiment bien. Les musiciens sont en super forme. Donc ça veut dire que ce ne sera pas que du Elvis. Ce sera vraiment tous les crooners. Je serai obligé de mettre une petite touche d'Elvis. Je suis quand même fan d'Elvis. Et il y a pas mal de gens qui viennent me voir quand même parce qu'ils sont fans d'Elvis. Il y aura la petite touche Elvis, il n'y a pas de souci. D'accord. Ça, c'est pour les fans. Et en revanche, est-ce que tu seras tout seul sur scène ou tu auras des invités? Non, je serai accompagné de mon neveu, Brian, qui sera là. Il y a Marouari qui viendra faire un petit bœuf avec moi aussi. Mais sinon, la plupart, ouais, je serai tout seul. Tout seul. Donc pour les fans de Rocky, notez bien ce rendez-vous. Ce sera au Petit Théâtre, hein, de la Maison de la Culture le vendredi 28 juin. Ça commencera à 20h. 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 Donc le tarif est de 2500 francs. Pour les moins de 12 ans, ça sera 1000 francs. Et on peut avoir les places dès maintenant? Au 79 41 09. Il ne reste plus que 60 places. Oh, oulala, il
il faut se dépêcher alors. Hein. Oui. Donc 79-41-09, vous avez envie de, d'aller voir Rocky en concert pour ce Fabulous Las Vegas Show, eh ben, vous l'appelez et puis comment on fait et après. Et on vous livre le billet, il n'y a pas de souci. Ah, c'est livraison à domicile ou au bureau. C'est parfait. Et au passage, j'aimerais juste dire merci à tous mes partenaires parce que j'ai bien été aidé. Merci à tous de me soutenir encore une fois. Merci vraiment de partager cette passion que j'aime beaucoup, chanter. Et alors, pour ça c'est pour le petit théâtre, hein, pour revenir à la date ce soir et demain soir, et après demain soir à Moorea, on te retrouve au même endroit où tu vas changer. Au Pearl Resort, au restaurant Le Cocodile et au Legend Resort. Voilà, et on peut réserver bien pareil, hein, dès maintenant. Ils appellent au 79-41-09, ils auront toutes les informations qu'ils voudront. Donc 79-41-09, si vous voulez plus d'infos pour revenir sur le Las Vegas Show, eh ben vous allez sur celui de la Maison de la Culture, www.maisondelaculture pour le site. La page Facebook, c'est La Maison de la Culture de Tahiti, et puis le numéro de téléphone 79-41-09 pour le numéro de Rocky, ou le 544-544 pour le rendez-vous au Petit Théâtre. Et la petite surprise ce soir-là, je viens d'entendre Mario, ce sera l'invité pour faire un duo avec moi. Avec Mario? Ah oui, oui, avec sa super chanson, là. Voilà. Pourquoi pas? Tu dis oui, Mario? Oui. Oui, bon, bah alors rendez-vous le 28 juin. Merci Rocky, je vais te laisser t'installer. Pendant ce temps, Mario va vous donner ce rendez-vous en langue tahitienne. Oui, Mario nous mettez les naïques, t'es phare, mais Rocky, y'a autant de mourir. Il t'y est pas, il m'a tout, il y a mourir, tout est mon frère Tamara, n'a autant, y'a haré tout faire les yana, t'es hippotomata à toi, et aussi, t'es vrai, t'es tout à toi, haré tout, n'est travo, n'a rien à tout, y'a pas à toi, t'es à mon papa, t'es à t'en être à ta pote, et t'es mana pas, piti à ma vôtre. E himene o iei te whare tahu i tinui, te pupu wha te upaupa, tra tatatou i tera, roki e tono mahoa, te rira, te tino moni no te hare rai mā te aru i himene rā, nā ope tatou Elvis mā ohi tera, o iahoi, tau tini pahanere whrani, no te hare rai mā te tei, te vera tatou mō te mori moni a tō tini e te whai tō tau tini whrani noa, no te hare rātu e mā te tei aroki, e te whea rohi pe e o tāna e arata ima. Te teme wharo mai tātou te teitu a himene. Whaini ne mai roki nā tātou te teme. Tā mai. Tā mai. Used to cry when I come home late. She given by the lies I'm told. All she wanted was to be needed. So all and she's the calling home. But love I know I do for printed. Empty she walking on my own. Too late, too late to say I'm sorry. But she's not crying anymore. She's not crying anymore. She's a lonely and a long girl. There is a smile upon her face. New love will take my place. She's not crying and I really do what we're now. She'd pack herself for all the ground. I won't stay the wall and all I needed. Sometimes I'm up and down. Sometimes you know I feel so fully. If I don't need what I know now. And not a tear but I never fall. Cause I'd give a love my heart. Make a world of friends somehow. She's not crying anymore. She's a lonely and long girl. Never smile upon her face. And you'll all take my place. She's not crying anymore. She's a crying anymore.
Mateiro ki no tra himene tatato i faruene. Tenei faru me oto i amari opras himene to ono. Ie mani ne vahau. Otei, wene ne tatou, toraro, tamu ime. Antoine, Yaorana, t'as mis ta tenue de président aujourd'hui, t'as pas mis ta tenue de sportif? Non, mais parce que non, ce matin, j'ai été représenté à la mairie au truc de l'UCEP dans le jardin de Pauvoy. D'accord. Par contre, tu mettras ta tenue de sport pour le raid Anani. Ah, ça oui. Alors, c'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition du raid Anani. Et alors, c'est 18 km en tout, hein, c'est ça? Oui. Là, on peut courir à tout seul ou à deux? Bon, on peut courir par équipe de deux, sinon individuel. On peut aussi individuel. Et alors, on part d'où? On part de la zone industrielle, stèle des portes d'Orange, et pour faire une petite balade dans les hauteurs. Oui, dans les hauteurs, hein, c'est ça qui est dur. Ben, 18 km, ouais. On se dit, oh, c'est rien, voilà. C'est pas grave. Dans les hauteurs de Punavia, et l'arrivée, ce sera à la mairie de Punavia. Donc, mairie de Punavia, départ à quelle heure? Départ prévu à 7 heures. 7 heures du matin, ça veut dire que toutes les équipes doivent être sur place à 6 heures du matin. Oui, oui, effectivement, il faut qu'ils soient avant 7 heures, parce que le départ, ce sera 7 heures. Ouais, départ canon, ça veut dire toutes les 2 minutes. Tout le monde ensemble. Ah, tout le monde ensemble. D'accord, ah oui, donc il faut être vraiment là. Si on est un petit peu en retard, on peut partir quand même? On peut partir quand même, mais on prendra le train. Eh ben oui, on prendra le train en route, comme on dit. Donc, pour s'inscrire, on va où? À la mairie de Punavia? Pour s'inscrire, il faut aller à Olympian Sport. Mmh. Olympian Sport, il y a des fiches d'inscription là-bas. Sinon, à la Fédération de Punavia, donc, qui est située à Outumoro, près de l'école Mayanui. D'accord. Et autrement, si on veut plus d'infos, est-ce qu'en allant à la mairie de Punavia, on peut retrouver des fiches d'inscription ou Au service des sports, il y a des fiches d'inscription. Je sais qu'ils en ont aussi publié sur leur site, donc on vous donnera le site à la fin. Pour participer en duo, ça coûte 5 000 francs. Oui, en équipe, ça coûte 5 000 francs et individuel, 3 000 francs. 3 000 francs et il faut être licencié, ça c'est obligatoire. On peut être licencié ou non licencié, il faut se présenter avec un certificat médical pour ceux qui ne sont pas licenciés. Mais par contre, ceux qui sont licenciés dans des disciplines sportives, ils n'ont pas besoin de certificat médical. Oui, c'est-à-dire que si on est licencié genre en VA ou même en boxe ou je ne sais quoi, on a envie de faire ça, c'est possible. On a juste donné à son membre, son numéro de licencié, c'est ça? C'est son numéro de licencié. Sa carte. Voilà, sa carte de licencié. Voilà. Quel que soit le sport que vous faites, vous pouvez bien sûr participer. Vous n'aurez pas besoin de certificat médical. En récompense, du premier au cinquième, il y a des catégories open, il y a des catégories entreprises, que ce soit en individuel ou ou par équipe. Alors, par rapport à l'année dernière, vous attendez combien de personnes sur cette édition? L'année dernière, on avait accueilli 274 athlètes pour courir dans ce raid-là. Voulez faire mieux? C'est toujours l'objectif, c'est de faire mieux. Oui, parce que je demande ça parce que des fois il y a des courses où le nombre de participants est réglementé, c'est-à-dire on ne va pas au-delà de 200 par exemple. Là, vous, plus il y en a et mieux c'est. C'est une grande aventure. Donc ça sera ce dimanche, dimanche 30 juin. 30 juin. Donc deux numéros de téléphone si vous avez envie de plus d'infos ou pour savoir comment faire pour vous inscrire, 24 34 64, de toute façon ces numéros vont s'afficher, ou le 24 58 84. Autrement, vous avez le site web de la mairie de Punavia et c'est www.punavia.pf. Quant à la page Facebook, eh bien c'est Ville de Punavia, Tahiti juste à côté. Et là, comme ça, vous allez retrouver sur Internet ce que je vous disais tout à l'heure, les fiches d'inscription, le prix et toutes les informations sur le règlement. Ouais. Justement, le règlement, est-ce qu'il y a des choses importantes que tu as envie de faire passer comme message? Disons que le règlement, c'est surtout pour les jeunes, pour ceux qui sont mineurs. Il faut avoir une autorisation parentale. Et il y a aussi des demandes. L'année dernière, on a rencontré ce problème. Il y a un papa qui est venu courir avec ses enfants qui étaient mineurs, 15 ans, 16 ans. Oui.
Donc, on tolère, on peut faire passer quand si c'est le papa qui signe, voilà. Ou si c'est la maman ou autre. Ils courent avec eux. Donc, les mineurs sont possibles sur cette course. Il faut qu'ils soient en bonne condition physique, évidemment, voilà. Mais les parents le savent. Hein. Oui. Et donc, certificat médical, là, ouais, s'ils ne sont pas licenciés. Oui, s'ils ne sont pas licenciés. Voilà. Et une autorisation parentale écrite, que ce soit de la maman ou du papa. Du papa. Hein, s'ils courent tout seuls. Oui. Bon, ben voilà, comme ça, l'information est donnée. Merci, Antoine. Merci, Lenaï. Teura pai Anton, yo to pai tra repeto ma. Teura e faine nera o tu te oire no fa no no puna via tra na e prone tere tomo it anani. Ai tu ne ne pruru atu ya ni me voiti vo tera o put putura o faro ri vo voiti vo te repeto mo e hamo tara to e tomo no tare vere bra e
Et après, nous avons tout le monde. 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 Et terre à tout, tout le il y a des tours. Oponir à tout. Aïe, tu veux être paré, notre horreur à ta. Je suis très heureux. Vanessa, bonjour. Et alors nous les gourmands, on adore quand Vanessa arrive parce qu'elle a aussi des choses à nous apprendre. Alors comment s'était déroulée la première édition de ce Tahiti Barbecue Contest? Alors voilà, la première édition avait eu lieu le 2 mars dernier à la Pointe Vénus, à Marina. On avait eu 30 participants, beaucoup de monde la journée, ça s'est très bien passé. On a eu juste un petit peu de pluie l'après-midi, mais bon après... Parfait en fait, au moment de cuire la viande. Voilà. Alors on rappelle le principe, hein, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, ensuite vous proposez un espèce de package, vous offrez. Voilà, en fait, la journée se déroule en deux temps. Le matin, c'est une épreuve imposée où en fait chaque équipe a un carton avec le barbecue, une quantité de gel, de viande, une quantité de charbon et une quantité de viande que l'on fournit. Hein. Donc ça c'est pour la première partie et l'après-midi c'est une épreuve plutôt libre où chaque équipe apporte son propre barbecue en fait. Alors on va voir une photo justement, il y en a un qui a été... On a eu vraiment des barbecues jolis, très jolis, il y en a un originaux. Qui ressemble à un cochon tout rose en tout plus, un barbecue tout rose, je ne sais pas si on peut voir si la photo, ouais. Donc on en parle. Ça veut dire qu'il faut faire appel là à son imagination et laisser parler... Tout à fait. Bah, il faut faire des choses... Voilà, regarde, voilà un barbecue. Donc on recycle en fait un tonneau et puis hop on fait un... Ben alors par contre on peut utiliser ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas de matériaux obligatoires, on peut utiliser un fût mais on peut utiliser autre chose. Tout à fait. Ça peut être un tambour de machine à laver, on je a ne eu, sais quoi. On Vous a avez eu aussi un tambour machine à laver, on a eu le barbecue basique, on a eu cette création très originale également. C'est elle c'est cette création qui a gagné. Qui a gagné, ouais. Voilà, par rapport à la création, oui tout à fait. Ils sont arrivés deuxième au classement final. Et on interdit juste les fumoirs et les barbecues à gaz. D'accord. Donc il faut toujours que ça fonctionne au charbon. Au charbon. Ce principe-là sera le même dans les îles. On ne change rien. Alors voilà, pour l'édition d'Aromatei, on va garder le même principe sur la viande et sur l'organisation de la journée, effectivement. Donc combien de temps, dernier jour ou le jour même pour s'inscrire? Alors c'est vrai qu'on avait mis une date limite pour la première édition. Et on s'est aperçu que jusqu'à ça la veille, peur. On a eu, oui. Il y a eu beaucoup d'hésitations parce que il y a un jury, il y a une notation, donc ça a un petit peu freiné certaines personnes. Donc là, on va laisser jusqu'à la veille la possibilité de s'inscrire. On a déjà des inscriptions et donc pour cette belle journée sur la place Toahurini Areatea. D'accord. Donc la place sera aménagée pour les gens qui ont envie juste de participer. Et ceux qui ne participent pas mais qui veulent venir, il y aura des barbecues aussi. On pourra déjeuner sur place. Voilà, on va mettre également une buvette en place, des jeux pour les enfants, des animations pendant la journée hein, pour qu'ils puissent s'occuper également. Et le public pourra également déguster. Les plats qui en plus des membres du jury, c'est-à-dire ce qu'il reste, ce que les équipes auront cuit. Voilà, parce qu'il reste, mais ils vont mettre de côté. D'accord. Enfin, il faut aussi qu'ils donnent à manger aux membres de l'équipe. Hein. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Je viens avec quoi? Mon huile d'olive, avec mon ketchup Voilà, la première édition, c'est vrai qu'on avait donc bien insisté sur le fait qu'on fournissait la viande. Mais pas les ingrédients ou la marinade. Voilà, c'est pas la notation n'est pas axée en fait sur la décoration de l'assiette et l'accompagnement. On note vraiment la cuisson, l'esprit d'équipe, l'allumage et la
sauce magique qu'on a appelée. Et c'est vrai que c'est là, en fait, où les équipes se... Donc là, on vient avec ces ingrédients de la maison. Oui, il y a juste la viande qui est mise à disposition. Il faut cuire aussi du poisson? Non, là, non, on juste fait l'édition que viande. L'édition poisson sera pour... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on fasse une équipe, Marion? Pour les toits moutous. Ouais, on prend l'avion et on va aller faire notre barbecue là-bas. Ah oui, oui. Hein. Mais je suis sûre que dans les îles, ils vont avoir énormément d'imagination pour le concours. Parce que là, on parle du concours pour goûter les préparations, la viande cuite. Mais ensuite, il y a la deuxième partie de la journée où là, ça sera le concours du plus beau ou du plus original barbecue. Surtout, voilà. Hein, surtout le plus et fonctionnel, on va dire. Parce qu'il faut... il faut qu'il fonctionne. Hein. Voilà, parce que... vous le ferez tester d'ailleurs. Mais en fait, ils cuisent avec l'après-midi. Hein. D'accord. Donc, voilà, le but et de voir comment est fait le barbecue et si effectivement il est fonctionnel. Et pour s'inscrire, est-ce qu'il faut que je paye quelque chose? Alors voilà, c'est une inscription à 6000 francs par équipe. Mm-hmm. Vous pouvez être 2 minimum à 4 maximum par équipe et c'est le même tarif en fait. Voilà. Et c'est pour la journée hein, entière. Alors si vous voulez plus d'infos, rappelez-vous déjà la date. Samedi 29 juin, rendez-vous place Toahuri Nihi Arayatea. Et puis autrement, Tahiti Barbecue Contest, c'est la page qu'il vous faut aller pour avoir plus d'infos ou poser des questions. Numéro de téléphone 23 79 39 23 79 39. Ben bon barbecue et à la prochaine alors. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Bonne journée. Mo ohi pori tamane tatatua. Harero tatui retea retea. Hamona oto te vera tara tataura. Te piti ahuru mai vano tiunu. I nia e tara tua mataunahi o tua. I uturua naria tatui parau. Te tataura tunu maa. Na amena o Filipi aue. Filip, ea taima. Poulet, steak, oh là là, Eita, c'est pas du mahi mahi ta Philippe, na moi n'aime, et pour anio, on te met yo yo ratou nous yo te kéu kéu, toraro, ta moi mai, ta moi mai. Et on va retrouver tout de suite pour les informations Chiquita Teiva Darouzès. Chiquita, bonjour. Bonjour. On commence ce journal avec quoi? Nous ouvrons donc avec un mouvement social chez New Rest. Alors plus d'une vingtaine de salariés de la société New Rest à Titiouro FAA ont amorcé une grève depuis minuit menée par le syndicat CSIP. Alors du côté de la direction de la société qui comprend trois groupes et un effectif de 310 personnes environ, au bout de deux jours de négociations, les points de revendication concernant donc la société support située à Titiouro n'ont pas trouvé de solution. En attendant donc la fin du conflit, la direction se concentre pour l'instant sur la préparation et la livraison des plats dans les hôpitaux et aussi chez les scolaires. D'accord. Et puis ça chauffe aussi à Papenho. Donc les résidents du quartier Adjé sont en colère ce matin. Les techniciens de Vodafone venus installer le pylône se sont retrouvés face à des riverains venus s'opposer au case, alors que le tribunal administratif avait donné raison hier à Vodafone. Dans leur action, un riverain a été blessé au front apparemment. Et puis une brigade de gendarmes a dû être dépêchée sur les lieux dès ce matin. Bon, c'est pas très réjouissant comme nouvelle. Vous avez mieux. Et puis avec donc l'IRD qui est en fait, elle fête ses 50 ans de présence en Polynésie française. Les nombreux partenaires de l'IRD, les associations et les scolaires étaient tous présents sur le campus de Haroué. Le président de l'IRD, Michel Laurent, a présenté l'ouvrage éponyme 50 ans de recherche pour le développement en Polynésie française. Il s'agit en effet de mettre cet ouvrage à la disposition du plus grand nombre, les jeunes surtout, et de stimuler leur curiosité. Mmh, c'est bien d'avoir la science en fait comme ça. Et d'ailleurs, tous les ans, hein, on en parle aussi. Le gouvernement, pour terminer. Le gouvernement donne un coup de pouce à la culture et puis donc elle a décidé d'attribuer une enveloppe de 8,5 millions à la Fédération des sports traditionnels et ce en vue des prochaines festivités du Heiva. Et pour combler le déficit de la Maison de la Culture, le gouvernement lui versera une subvention de 45 millions.
Ouh, voilà une très très bonne nouvelle. On termine avec. Oui, bah oui, j'imagine qu'ils vont être très contents. On termine avec quoi? Pas de chance en tout cas pour les enfants du village SOS de Papara. Donc ils ne partiront peut-être pas en vacances pendant là au mois de juillet. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver. La direction des affaires sociales aurait diminué la cote par journalière d'un enfant dans le cadre donc d'une participation à un centre de vacances. Et en attendant, les dirigeants du centre SOS Village essayent de trouver des solutions. Les précisions d'Alain Michon et Hubert Liao. Créé en 1996 pour accueillir les fratries d'enfants placés par la justice, le village SOS de Papara fonctionne normalement malgré les difficultés financières. Sauf que la direction du centre vient de recevoir une note des affaires sociales l'informant de la baisse du plafond de prise en charge par enfant devant participer à un centre de vacances. Il faut savoir qu'un centre de vacances type colonie, quand un ado, c'est entre 2300 et 2600 francs par jour par enfant. Et la direction des affaires sociales nous a annoncé donc qu'il plafonnait à 2000 francs par jour et par enfant. Donc cette différence-là nous inquiète aujourd'hui, puisque voilà, il faut chercher les moyens pour qu'on puisse continuer à assumer nos missions. Les vacances scolaires sont un moyen pour ces enfants de sortir du village, voire autre chose, et de se couper d'une situation morale et psychologique difficile et longue. Les mamans SOS ont souhaité réagir également. Ils ont besoin de connaître autre chose, d'autres enfants, d'autres horizons, et voir d'autres lieux aussi, et de se mélanger à d'autres enfants. Parce que s'ils restent ici pendant les journées scolaires, si aussi les vacances ils restent ici, ils n'apprennent pas à grandir, à s'épanouir aussi. Et nous aussi, on a besoin aussi de se reposer en tant que professionnels. Il semble que les fonds publics affectés au centre diminuent, que les donateurs privés et parrains font ce qu'ils peuvent pour aider le village SOS de Papara. Cela reste insuffisant. Peut-on alors avoir le courage de leur souhaiter bonnes vacances? Voilà, c'est ainsi que se termine ce flash. Je vous remercie d'avoir suivi. Oui, on retrouve Chiquita tout de suite pour les informations en langue tahitienne avec Mario. Jorana tatou te fare dei dai te mero to ita tatou e poto no no te te me nei si kita jorana. Jorana Mario. Hapa tata ona mua roi ti tioro te ie te ie te hapa oni te hipa no te rewa ima a tunu ita ma a opere nar to ima ufare ma ia nei fare e te hua manure vane. Ufa e te hipa te ima ana. Tra wei te paha o tau an te nehe prau e wara haua tui te piti ahuru rato piri te toru ahuru ne nehe prau. Rato rave o hipa no ti tioro e ifa a atua. Nga te beat ora te te mea puta rato i o. Tra wafa ai rato i te o hipa mai tene a ahiata horo ahuru ma piti. Piti i te pau te whaatrer a nen he prau e wa tamata rato imi te rāv ea no te tau a prau e inha piti mhana te maoro aita te manau i tū tarai i tupu e tēne whaera o hipa i teie mhana a ti e no tuaira i a matara te ie fifi te hap one o New Rest i te prau ea no te maa i te pau te mau whare mai te anu atu i te pau no te mau tai e te e manurewa tara e teie te maa e tāpuhia. Nā o tātou, pene ai pā i te pōru tui tātou e anu oa mi te mau pāpura ahau atu. Teria. Hari tā tūru tū te tū anō pōpeno? Nō pāpeno. Te riara, ai te iauroa re, whārau rā tūku nāru tū te rōwharāni, te emo te e te tamau nei tarato pau, niu niu, a whai whai, o tupu hoi pēpē e rira. O ia, o tupu ia te tei pēpēa, te i pēpē oi te tēr atu ia te keiz, i te ienei aroa aje vai nei pāpeno, a te rira ia te nūn a, i te tamatara, i te pat oi, i te ienei keiz, e hare atu nei, e amau i te ienei pau ave ave wira, tra inan heira, ua whahitina oi te tiripuna te haue, ua tano, te taiete e Vodafone, te nira te pat oi uanane hoa, te nūn a, no te aroa aje, i ha amau hia, te ienei pau yorato. E ua pepeiro hoi tāta. Ua pepe hoi tāta e ua tono ato hi atu te momoto i frāni i te pepe ini. Harimaru no tātoua. Haratatū ni prau no te ihi, nāria tāu ia parau, sikita? I te pēno te ihi te ene ia, ua tupu ia te ene ia nenehe parau oroa nā rātoua. Tara ua hopi ua tupu te reira i arue. Te rapo tātou e i te tuai e te moha papura. Ari ai te pēno te hauwhenua, ua tupu i tā rātou rurur a inan heira, ua whar ia te whātere hau no te ai, cho e opuar a ture, nen he prau ohe pa api te ie, no te whar i, i te horuar a, i te ho e mero, no te whaura, i te teia tua tino, e ua whautia tua hoi te hauwhenua, ia tiatihia o Brudon Barrio, ini ai ei tona ti ar a whātere, no te tomite ti a au nei te anan hei o te mau tamatamatara a tomis.
Millioni moni patitifa no te ore ya mario it ap o evaira i te fare tau hitinui ani ar tau ni te pro no te ye puta ta to veni papara te mo te pui ha koni te motomari tra te fata ta mera ia te fire a ap ira te ni rai riro te motomari te ore e fan oi te mo fan hor ai rebe nei te mo rurur a atama tra te tumu e riro rae waiti ro mai te tau turu moni e fat ahiane narato te hapapur a te popular rawa o ibeliau pe ahuru mahu e tamari I toru hare atu I te ahuru mai wa matai te puhapa nei te iwahi. E mau tamari I noro tomai te mo utua whare fifi tu uhi atu e te ho eha awa. Ahuru mahu e whare e whare I nei, ahuru mahu e at oia mama. Mai a Ingrid, ahuru maa piti matai ti o nei e te pia pia nei, uaf ato paroa hia tara to moni tau turu e te hau whenua, e riro te ia mau tamari I te ere roa I te wha oa oar ai te tau whaf aera aha ap ira. Ai tēn e rātou whāno, ai tēt oi mātou whāno, Entra mia e poru e mate ti ti e shon ora to yamato e te te mato nin he ha te mit o tro ir he tra mia e fa e no mit mar yamato ai te hoye mato e harit o e fa fa ya e ha maru ti no to piti te mit mat hai ti e fa uri uri hi nei te mo to mar I ra ve pa pu hi ar ar a to ra tu feru rit ai to ra pa e na ra to ho pe I te mo he para ve hi ara te te mo va hai e amumin mui mui to yara to te te motomari he fa e no e te motomari te epu ya ite to ra to te veit or tomari te te mo vai te fifi to ara a huru ma hitu ma thaiti te epu te ha maur ahia ha nere pa a huru milioni te tapuru fu anor to mai te fatere ato tiare ha nere pa milioni te im hana of atahia te hu erata ma te apa pu te fa to par au te moni tau turu e fai to ra to hu e tinu moni ho e tamar e ho e mhana o hi o ia ho e mhaha nere tara e te rara I roto I te whanhor a te pū whaua oara a koloni ko ado tonia e mato te moha mau oara traia te prau mano no prau fifi nahea ia o ia ia nahea pa ia a huru ma pai ho imhana I tō era hau te mau whaaf aera aha ap I a e pi ia I te mau ta atatu ai mawhatu mai te eito rātou I te tauturu a I te ia motomari ihi. Traho mahu pero te whanau rā whare a tātou I te hipetu mai muri nei, maruru I parhiana. Maruru sikita, maruru. Maruru. Ia o tō pā ato a, ia rana. Mana vai, vai va. O tira. Sete no jingle. Voilà. Ia rana. Ia rana. Mais il en manque une. Ah, elle arrive, d'accord. Alors elle arrive et c'est très bien parce que maintenant on va découvrir les dernières candidates puisque toute la semaine nous en avons reçu. Donc aujourd'hui on sera avec la candidate numéro 6, Tahia, la candidate numéro 9, Herehia, et la candidate numéro 10, Hina Rereche. Bonjour les filles, bonjour. Bonjour. Hey, comment ça va? Dernier jour avant la, le grand soir. Enfin, dernier jour pour nous en fait, c'est pour ça. Ça, ah, les derniers jours au pluriel, on va dire pour vous. Oui. Ouais. Donc là, en ce moment, vous vous préparez à quoi, sur quoi? C'est les chorégraphies pour la scène. Oui, voilà. Sur les chorégraphies, sur la danse. La danse pour notre talent show. La danse et le talent show qu'on prépare. D'accord. Et alors, on va commencer avec toi, Tahia. Oui. Tu es originaire de quelle île? Des Marquises, mais j'ai jamais vécu là-bas. J'ai déjà allé quand même? Non, jamais. Jamais. J'y pense. Ben oui, faudra y aller. Sinon, j'habite la presqu'île Verao. D'accord. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à l'élection? Alors, tout d'abord, c'est ma famille, mes amis. Et aussi, c'est un challenge que j'ai envie de remporter moi-même. J'ai participé à beaucoup de concours de beauté, celui de Verao. J'ai fini première dauphine. Et j'ai participé aussi à l'élection de Miss Tarapu. Et j'ai gagné.
Donc une bonne expérience déjà oui. avant l'élection de Miss Tahiti. Dis donc, Hayari, s'il n'y avait pas la famille pour pousser les jeunes filles à s'inscrire... On irait les chercher, nous. Bah oui, hein, vous iriez les chercher, heureusement. Donc là, la presqu'île qui est représentée aujourd'hui. Alors, regardez dans ton portrait, à la question « Quel est le fait d'actualité internationale qui a retenu ton attention ?» Tu as répondu... L'économie. Oui, l'économie. En effet, parce que dans mon cursus scolaire, actuellement, je suis en BTS banque et on suit beaucoup l'économie dans le monde, nationalement et internationalement. Et tu crois que ça va aller mieux maintenant en Polynésie? Qu'est-ce que tu aurais des solutions à proposer, des idées? Non, vraiment, j'ai pas de solution. C'est vrai que l'économie, en ce moment, elle est beaucoup critique. Et il y a du mal parce que y a des difficultés dans la politique aujourd'hui, malgré que Gaston Floss fait des efforts pour les emplois. Mais on verra plus tard si ça va aller mieux. Bon, alors moi je vous propose de découvrir Tahiti en images et puis on revient juste après. Merci. Merci. Élection Miss Tahiti 2013, vendredi 28 juin à la mairie de Papeete. Voilà, et pour voter pour toi, comment on fait? Alors, par SMS, envoyez Miss Tahiti 6 au 72 73. Alors, juste un dernier mot avec toi. Nelson Mandela, c'est quelqu'un que tu admires. Oui. Pourquoi? Beaucoup. Parce que lui, c'est le symbole vraiment de l'antidiscrimination, c'est tout. C'est incroyable. Et c'est quelque chose aussi que tu aurais envie de faire passer, toi, comme message, si jamais tu étais élue, c'est... Oui, bien sûr. Lutter contre la discrimination. Oui. Un peu plus de paix dans les ménages. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et alors, l'autre candidate que nous... Merci. Merci. L'autre candidate que nous avons avec nous, c'est la candidate numéro 9, Hereia. Bonjour. Bonjour. Alors, parle-nous un petit peu de toi. Toi, tu viens d'où? Alors, moi, je suis originaire de Mahina. Je suis actuellement en deuxième année de BTS, Management des Unités Commerciales. Et pourquoi tu t'es inscrite à cette élection? Alors, je me suis inscrite à l'élection de Miss Tahiti dans un premier temps pour représenter haut et fort les couleurs de ma commune à travers mon titre de Miss Mahina 2013. Mais également pour l'expérience que c'est une expérience très enrichissante qui peut m'apporter beaucoup de bien-être et de confiance en moi. Et si tu étais élue, alors ce serait quoi ton cheval de bataille? Ta mission pendant ton année de règne, est-ce que tu t'es fixé un objectif? Bah déjà, dans un premier temps, représenter mon Fénois à l'élection de Miss France. Et puis, me battre contre la maltraitance des enfants, chose que je ne tolère pas. Mais également, me battre en faveur de l'environnement. L'environnement. Et alors, il y a un fait d'actualité qui t'a marqué, toi, c'est la viande de cheval. La viande de cheval, bon. Pourquoi? Parce que tu trouves ça terrible, tu trouves ça comment? Quand même. En fait, c'est plutôt parce que c'est un fait divers dont on a beaucoup parlé, donc c'est pour ça que ça a beaucoup retenu mon attention. Alors, manger du cheval à la place de la viande, certains trouveront que c'est pas très grave, mais pour d'autres, au niveau de la religion, ça peut être un gros problème. Donc, c'est vrai? Toi, par exemple, tu n'en as jamais goûté de la viande de cheval? Non, jamais. J'en avais mangé. Tu sais qu'on peut en trouver au magasin, que c'est pas interdit comme viande. Hein. On peut aussi bien acheter de la viande de bœuf que de poulet que de cheval. Donc toi, c'est quelque chose que tu n'achèteras jamais, par exemple? Non. Même pour goûter, pour voir quel goût ça a? Pour goûter, bon, sûrement, mais... Non, franchement, je ne l'ai pas acheté. Il faut qu'on me le fasse goûter, alors. D'accord. Encore que là, on ne savait pas. On a découvert après. Donc, ça veut dire que les gens qui achetaient de la viande ne savaient pas qu'ils en achetaient de la viande de cheval. Voilà, donc, si ça se trouve, t'en as déjà mangé. C'est cette tromperie qui m'a un peu choquée. Est-ce que le fait de te dire que tu aurais pu en manger, ça te perturbe? Ça ne me choque pas, ça ne me perturbe pas, mais j'aurais été un peu déçue de la marque du c'est tout ça. Mais voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux fans qui te suivent, qui t'encouragent? Ben déjà, un grand merci. Il faut savoir que ça fait très plaisir de se sentir encouragé. Ça peut que motiver. Et tout ce que tu as envie de faire, c'est te donner un fond. Et c'est que positif.
Alors, j'ai pas posé cette question aux autres filles, mais le gala, comment c'était pour vous? Parce que pour certaines, c'était peut-être une première. C'était bien. C'était bien. C'était très rapide. Vous étiez stressée avant et puis après. On va dire que le premier passage est toujours stressant, c'est normal. Voilà. Mais ensuite, quand on est dans la lancée, ça y est. Donc, ça vous donne du courage et ça vous donne. Ça vous encourage pour la suite, hein, pour le 28. En plus, avec tous les fans qui t'encouragent, c'est génial. Bon, alors, Hirehia, en image quand elle se fait chouchouter, parce que ça les filles elles adorent, nous on adore aussi, on la regarde et on revient juste après. Miss Tahiti 2013, vendredi 28 juin à la mairie de Papeete. On parlait tout à l'heure dans le journal, pendant les informations hein, des villages SOS enfants. Il y a une cause aussi, toi, qui t'intéresse beaucoup sur le territoire, c'est celle de Doudou. De Doudou, pour la saga. Effectivement. Pour la saga. Alors, je trouve que tout ce qu'il fait, ce sont des bonnes actions. Il fait preuve de beaucoup de générosité. Et voilà. C'est peut-être quelqu'un que tu pourrais comment soutenir si jamais tu devais choisir une cause. Bien oui. Sûr, j'irai le voir si possible. Bon bah Doudou, il faudra que tu appelles Hirehia. Alors Hirehia, pour voter pour toi, comment on fait? Pour voter pour moi, il suffit d'envoyer Miss Tahiti 9 au 72-73. 72-73, merci. Et merci. Alors notre dernière candidate aujourd'hui, c'est Hinarede, bonjour. Oui, bonjour. Hinarede, toi tu viens d'où? Alors comme mon nom de famille l'indique, je viens de Papara. Ah ben ça c'est bien. Voilà. À s'appeler Papara et habiter à Papara, c'était pas fait exprès, mais non. Ça marche bien. Voilà. Et alors, une expérience déjà comme les autres? Il y en a qui ont fait du mannequinat ou une autre élection? Oui, donc moi j'ai participé en 2004 à l'élection de Miss Papara, dont j'ai eu le titre. Voilà. Donc Miss Papara est avec nous, donc prête pour l'élection de Miss Tahiti. Ah oui, prête. Qu'est-ce qui change par rapport à l'élection de Miss Papara? Il y a beaucoup de choses qui changent dans la préparation. Ah oui, oui, il y a beaucoup de choses. Comme quoi par exemple? Déjà la préparation n'est pas du tout la même. Elle est plus sportive, la Miss Tahiti? Oui. Plus soutenue? Oui, plus soutenue, plus sportive. Ouais. Plus de médias. Oui. Ah oui, bah oui, oui, là vous êtes montré, je sais pas, les journaux font des articles sur vous, la télé radio. Aussi, la radio, on entend vos voix. Oui, donc il y en a d'autres encore, hein, des radios et des télés que vous allez faire. Oui, donc comment tu appréhendes ou comment tu te prépares à cette élection, toi personnellement, sans parler de la préparation avec toute l'équipe? Moi personnellement, de mon côté, je me prépare déjà au niveau de l'oral. Et je fais aussi un peu de sport, donc pour être en forme. Donc comment on fait pour se préparer à l'oral? On demande à papa, aux copains, aux copines de nous poser des questions pour la culture générale? Oui, voilà. Et puis on s'informe sur ce qui se passe en ce moment. On joue un peu plus à question pour un champion, je sais pas. Non, on va pas dire question pour un champion. Mais oui, on m'aide beaucoup. On m'aide beaucoup, c'est ma famille, oui. Alors, toi, ce qui t'a marqué, c'est l'élection du président, François Hollande. Oui. Pourquoi? Eh ben... Tu pensais que Nicolas Sarkozy allait rester en place? Oui, exactement. Ouais, tu étais surprise. Oui, j'étais surprise et voilà. Oui, oui. Et pour notre élection à nous, est-ce que tu étais surprise que M. Gaston Flosse soit redevenu président? Non, j'étais pas surprise. Non, là, c'était pas une surprise du tout. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce qui t'a motivée, toi, pour t'inscrire? Comme toutes les autres filles, c'est souvent la famille qui pousse. Parce que peut-être que Miss Papara, tu voulais t'arrêter là, tu n'avais pas... Ben non, au contraire. Pour ma part, suite à l'élection de Miss Papara, j'ai toujours songé à me présenter à Miss Haiti, mais j'étais trop jeune, donc j'ai attendu et je voulais aussi gagner en maturité pour mettre plus de chance de mon côté. Mmh. Voilà. Alors tu travailles à l'APER, qu'est-ce que c'est? Donc l'APER, c'est une association polynésienne d'aide aux insuffisants respiratoires. Mmh. Ça veut dire que c'est ce volet-là que tu voudrais mettre en avant si tu es élue? Non, si je suis élue, j'aimerais mettre en avant, plutôt aider les associations... qui aident les enfants défavorisés et maltraités.
Il y en a beaucoup, tu crois, en Polynésie? Oui. Il y a des choses à faire. Oui. Bon, oui, il y a des choses à faire. Avis, oui. Et si vous avez envie de voter pour Hinarede, eh ben d'abord, regardez le petit portrait où elle se fait belle, où elle se fait chouchouter. Moi, je suis jalouse, hein, parce que franchement, quand on vous voit comme ça, ça fait rêver. Vous le savez, ça, que vous faites rêver? Est-ce que vous en avez conscience? Oui. Oui, oui, oui. On vous le dit des fois dans la rue depuis que la promotion Miss Tahiti a commencé? Ça arrive. Oui. C'est vrai? Oui, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit, tu as de la chance, vous faites beaucoup de choses. Et toi aussi, on te dit ça? Oui. Puis oui. À Papara, ils doivent être encore plus proches de leur mise, donc tu dois être sollicité tous les jours. Exactement. Ouais. Et même au travail. Bon, tu peux leur dire un mot hein, aux gens de Papara, d'ailleurs. Donc, à ma commune de Papara, votez pour moi. Et votez en tapant 10, hein, bien voilà. Sûr, 72-60. Voilà. On te regarde tout de suite. Élection Miss Tahiti 2013, vendredi 28 juin à la mairie de Papeete. Voilà, et donc on rappelle, pour voter pour toi, on fait... Donc pour voter pour moi, vous tapez Miss Tahiti 10 au 72-73. Voilà, et Hiyari, on rappelle que cette soirée du 28 juin n'est pas une soirée dîner. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a encore des gens qui le demandent. Non, c'est fini. Là, c'est et alors, il y en a qui s'inquiètent de savoir où est-ce qu'il faut qu'ils choisissent leur place. Alors, il va falloir vous rendre dans trois endroits, les deux carrefours, Aroué et Punahouia. À la billetterie où les places sont en vente ou alors à Fareouté chez Radio One. Est-ce que, alors moi j'ai eu des questions, c'est est-ce que si on est tout près de la scène, on va voir quand même les filles, on ne sera pas obligé d'être comme ça? Oui, parce que la scène est disposée de telle façon qu'il y a des bras sur le côté et donc on peut voir sur le côté. Donc normalement toutes les places sont de bonnes places. Voilà. Donc on n'a pas d'inquiétude à avoir. Non. En termes de tarifs? Alors, ça commence à partir de 1500 francs. Donc, les tribunes sont à 1500 francs. Et je pense que ça monte jusqu'à 5000 francs. Donc, 1500 francs, c'est quand on est tout en haut dans les tribunes. Oui, hein. Mais là, les légendes qui étaient là l'année dernière ont dit que c'était d'excellentes places et qu'ils voyaient très bien. Puis en plus, vous aussi. Avez un peu d'air et tout. En général, voilà. Les places en haut sont vraiment super. Donc, prenez votre petite laine quand même, parce qu'on arrive en juillet. Donc, 1500 francs, ensuite, c'est 3000 et 5000. Voilà, exactement. 5000, c'est vraiment tout devant la scène. Voilà, c'est devant la scène. On est beaucoup plus proche de la scène, mais on voit les filles aussi bien que derrière. Bon, eh ben écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc pour voter, on rappelle le numéro, hein, 72-73 avec le numéro de votre Miss. Sans espace, vous envoyez tout ça. Et autrement, vous avez la page Facebook, c'est Miss Tahiti. Et le site web misstahiti.com. Merci les filles, merci Léa. E mate te mai te te mo te mai a pata mai na te ya tahia na moro tahia yorana ya gana mai te yo e mai te ire hare na ta tu te piti o yo ya here hia trao here hia yorana yorana farora tu no mai na o e no mai na hare na ta tu ni te toru o te mai ne o yo te numera ahuru o hinare re no papara e yorana mario fa o hino he tu papara te paera trao trao maruru mo te chara mo te te fanora wini ne pouru o tu no te ratai o mahana, piti auru mai wano te unu. E, waini. E reha, na o mene tō mātou pra hoa iau, Mario, pro mo te o iaratu e, vous êtes belle. Maruru, Mario. Oh, et toi, Mario? Ah, toujours. Voilà, alors pour voter, Mario, 72-73, 11. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça y est, il y a Orion qui commence à monter ça. Maruru, moi, je vais te faire un peu de temps. Maruru, à toi. Je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Petit Orion, moi, je vais te faire un peu de temps. Je vais te faire un peu de temps. Hare oi no ti tau tō pura titeti, i ore nā, wahare o tōni e te au, re tare re no mo e te afu irapa. Hare a tātouni e te tua au pe a tātou mō manini. Mō re a tātou, tāmi mani. Et après les Miss, on va terminer en musique avec le Festival international de ukulélé. C'est un festival qui aura lieu à Mo'orea. Nous avons donc l'adjoint au maire de Mo'orea avec un musicien, un joueur de ukulélé et André Tahimanar'i. Bonjour tous les trois. Bonjour Lénaïk, bonjour Mario. Alors ce festival, c'est une première. Exactement. Eh ben, on se demande pourquoi il n'y en avait pas avant. Bon, il y en a un à Haïti, hein. Mais oui. Là, tu as envie d'inviter aussi des gens de l'extérieur. Tout à fait. Alors, ce festival a
a été organisée puisqu'il y a une finale internationale qui se passe à San Diego, le 9 août à San Diego. Et c'est pour ça que nous avons souhaité organiser ce festival ukulélé à Moréa et en même temps inviter toutes les communes de Polynésie française. À vous rejoindre à Moréa. Tout à fait. Donc toutes les communes savent évidemment s'ils ont des joueurs de ukulélé susceptibles de participer à un concours, parce que c'est un festival mais un concours en même temps. Hein. C'est un festival, c'est un concours en même temps qui réunit trois musiciens, un soliste ukulélé, un guitariste et un musicien bastoura. Nous avons déjà envoyé des courriers depuis le mois de février dans les communes, nous avons envoyé des invitations, nous avons également 16 groupes inscrits à ce jour aujourd'hui. Et nous sommes très contents puisque la majorité des archipels sont représentés aujourd'hui dans les inscriptions. Il y a un grand festival de ukulélé également à Hawaï. Vous avez contacté des gens de Hawaï pour... Nous avons contacté des gens à Hawaï. Vous avez eu des réponses ? On a eu des réponses pour que ces champions hawaïens puissent venir à San Diego cette année. Mais je peux déjà annoncer que l'année prochaine, en février, il y aura un concours international à Moréa avec l'appui de la commune de Moréa et qui où on va faire venir avec l'hôtel Hilton les 5 meilleurs mondiaux ici à Montréal le samedi. Et donc le vendredi, on fait une sélection comme cette année pour sélectionner le meilleur groupe, le meilleur soliste. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi Montréal pour ce festival ? Alors nous avons choisi Montréal parce que il y a un projet sur le long terme avec la commune de Montréal. Il y a un projet de jumelage déjà avec la commune de Montréal et la commune et la ville de San Diego. Il y a un projet de délibération que nous allons mettre en place avec la commune pour que le ukulélé soit reconnu comme un instrument, un outil pédagogique dans les écoles. Et nous avons donc, avec l'accord, l'appui de la commune, les deux collèges de Montréal. Alors là, tu es en train de me dire, appui pédagogique, ça veut dire qu'aujourd'hui on apprend le orero à l'école, on pourrait apprendre demain le ukulélé à l'école ? Le ukulélé est déjà appris dans les écoles. Exactement. À Montréal alors, pas partout. À Montréal peut-être... Peut-être un peu plus ? Monsieur le maire. Non, pour le moment, donc, on fait simplement montrer aux enfants c'est quoi un ukulélé. Mais là, normalement, c'est de faire découvrir à nos jeunes Le ukulélé. C'est vrai que c'est un instrument tellement habituel, enfin quotidien, qu'on a tendance à un peu l'oublier, entre guillemets, c'est paradoxal, mais c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas la place qu'il mérite. Exactement. Hein, c'est donc ça qu'il faut. On voudrait donner la place qu'elle mérite avec un outil pédagogique dans les écoles, mais avant d'aboutir à cet outil, à cet apprentissage, nous devons avoir un travail technique de fond hein, ouais. Aussi bien à l'Assemblée. Alors, rendez-vous quand pour ce festival ? Alors, le rendez-vous est prévu le samedi 29 juin au club Bali High. Je remercie Matthew Hunter au passage. Et l'événement va débuter à partir de 11h du matin, puisque nous avons un grand programme pour la journée. Quoi. D'accord. Deux numéros de téléphone que l'on peut donner, hein, le tien, 582-625 ou 782-305 pour avoir plus d'infos. Autrement, rendez-vous le 29 juin et puis vous allez avoir des affiches qui vont être exactement, mises, placardées un peu partout. Hein. Oui. Notre musicien va rejoindre Oriane pour se placer. Juste, André, tu peux nous le présenter peut-être. Oui. Va te préparer. Il s'appelle Roger Yann. Oui. Il a une école de ukulélé qui est située à la salle philanthropique de Papeete. Il a 23 élèves actuellement, et dont 9 enfants. Mmh. Il sera également à Moréa pour jouer avec ses élèves. C'est une première également. Et nous avons voulu, donc au travers de ce festival, amener des enfants, montrer ce qui se fait dans les écoles. Il y a aussi à Pirae, il y a dans d'autres communes. Et donc aujourd'hui, avec ce festival, nous aimerions pousser un peu plus la culture polynésienne au travers de la musique. Merci André. Merci. Marulu moite André, farale tatu teneia. Alexon, elere, jorana. Jorana. Marulu moite ia. Uro tu piti te tia menon ia iti te hitata ura fatu ku hiare o tui orea. Pata ukurere. Promo uro te rira, te vera hoa te refan hora e tui tutatu ne oire im orea. E tupu te rira i te hotera club baliha im orea. He te piti ahuru maiwa no tene awa e no tiunu. Te reo whanhora, hamata una hora ha? Hamata te reo whanhora i tōra oru mahu e, e tai roa tu i tōra pā, no te mea tapu ritu he te tema atime, te vera ti te mo... Farira. Farira, ui te tātou te... Te mo vātai. Te ne mo vātai e te reme o tātou i nei mo orea nei. No rira, o imiti te rao ea te ne taati a ia farit o mai aratu tu i te whanhora. No rira, ia vairu purupe me te i ne mahana tataura no tukelele. Piti auru mai wa no tiuru. Na o iyo te parawe, Andre, ha? Miti pa e pi ir aitmo tata sopio ato e pa pata pata, ha tapo te iyo, iye tapo e te iyo.
Il peut commencer d'ailleurs. Maruru Maruru Maruru